Quand c'est pour ça que je vais dire ici, je vais faire une petite parenthèse avant qu'elle continue. Jolika, bonjour, comment, bonsoir, comment tu vas? Bon dimanche à toi. Ça a cuit sur elle, Noël. Ça a cuit. Parce que la fille là, il faut seulement qu'elle laisse, elle ne doit pas laisser. La valise des Voice n'est pas encore finie. On peut lire la vie de quelqu'un comme ça. On peut lire la vie de quelqu'un comme ça, comme si tu étais dans la vie de quelqu'un. Quand tu t'es assise sur le couple de quelqu'un ici, parler jusqu'à, on te dit que non, jusqu'à que la femme, le monsieur est parti. Tu as dit que tu veux veiller. Pourquoi ma déesse, bonjour, bonsoir, Suzy, comment tu vas, ma bébé? Pourquoi ma princesse, hein, Monica Jazz ne peut pas s'asseoir sur toi? Le tout là, j'accompagne seulement ma déesse là. Oui, la mannequin là, je l'accompagne seulement. Je ne peux pas la dire de te laisser. Parce que toi-même, tu as donné l'heure juste ici à Tata Lolo. On ne peut pas vivre la vie de quelqu'un comme ça. Oui, on ne peut pas. Flore est venue. Flore a fait le direct. Flore t'a parlé derrière. Que laisse. Tu as dit que vous dites que je laisse. Je ne laisse pas. Aujourd'hui qui pleure. Aujourd'hui qui pleure. Donc, quand c'est ton tour là, on doit avoir pitié de toi. Voilà, maman, c'est un piège. Ne parle pas de cette histoire. Mais on t'a dit de laisser si tu n'as pas laissé. Tu dois bouffer le Njangui. A dit bouffer Njangui où? On ne pleure pas sur Facebook. On ne pleure pas, maman. Toi-même, tu t'es assise sur la vie de Tata Lolo. Tu as vu comment elle brille. On vous dit que faites votre live. Faites votre blog. Chaque personne fait son blog. Aujourd'hui, je vais faire une petite parenthèse. Je parle de mon instinct. On ne pleure pas. C'est la même chose. C'est pour ça que quand quelqu'un est là pour toi, quand quelqu'un te donne les étoiles, quand quelqu'un te soutient, maman, il faut rester que ce qu'on. C'est pour ça que on est parti dire, parler à comment on appelle ça? À ma fille, qu'il ne faut plus aller sur le direct de ta mère. Moi, elle parle. Quand mon cœur me dit de parler, je parle. Les gens croient que je ne connais pas. Je connais. Est-ce que vous voyez encore faux London ici? Non. Parce que les gens sont méchantes sur la toile que vous voyez là. Il y a les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Les gens comme les Nicole Ketcha, les gens, elles n'allaient pas être. Tu vois, même Maman Lily là ne fait plus comme. Tu te rappelles, il y avait Maman Lily, Priscille Lacrasse et les Ndola Miwando. Quand ils arrivaient sur le direct de Compresso, Maman Lily disait que baisse pour qu'on voit comment tu es belle. Est-ce que vous entendez encore ça? Ça les a brûlés. Ça les a brûlés. Hurrah. La copine de Flore parle mal de Flore dans l'imbosse. Oui! Ça les a brûlés. Hurrah. À pioncer. Quand tu avais quelqu'un, si tu avais supporté Maman Lily, si tu avais écouté Flore, même si tu n'entrais pas dans le blog de Flore. Oh, je ne sais pas, il y a les gens sur la toile, que quand tu as ton blog, au lieu de faire ton blog, vous cherchez toujours à entrer dans les teams. Ça vous ramène quoi? Nancy, tu es toujours dans la vérité. Oui, non. Je te dis la vérité. Si elle avait choisi, si elle avait écouté, tu peux écouter quelqu'un, mais tu ne deviens pas sa copine. Tu peux écouter les gens, je peux écouter Solange, mais je ne suis pas la copine de Solange. Solange peut venir à une bourse du canard, si j'ai vu ça. Mais je ne vais pas venir ici dire à Solange que, oh, c'est Solange qui m'a dit non. Mais je vais faire attention. Oui, je vais l'écouter, ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs amis. Tu crois que Compresso veut laisser son, comment on appelle ça encore là, sa cassation de tontine, de sa patronne, pour venir parler tes problèmes? Hein? Tu crois ça? Si Compresso n'a jamais défendu quelqu'un de sa toi, de sa team, tu crois que toi là, toi qui ne la donne rien, elle va te défendre, elle ne peut pas te défendre. Je te dis, même Maru Perro,
Le jour que ma roupeur revient faire, pas compression, on va la déposer. Compression, on va la déposer. Maintenant, là, tu ne vois pas, ma roupeur recherche les alliés. Je parle de toi un peu aujourd'hui. Ma roupeur recherche les alliés. Elle cherche les alliés. Elle a fait le nom, mon nom là, avec son bloc. J'ai dit que, quand moi je ne suis pas compresseur, j'ai bloqué partout. Si je ne voyais pas qu'on parlait chez elle, chez Monica Jazz, maman, j'allais même pas. Même pas. Quand on dit qu'on rase quelqu'un, on rase que, même si la personne t'insulte, ça veut dire que même les vidéos, quelqu'un m'envoie la vidéo de ma Rupero, la fabriqueuse de Nancy là, quelqu'un m'envoie sa vidéo. Maman, je ne peux pas ouvrir cette vidéo-là. Je ne peux pas. Parce qu'elle est bloquée dans tous ses profils. J'ai mon FBI. Quand elle voit seulement qu'elle a changé de profil, elle vient me dire que si tu vois le nom là, c'est... Pourquoi compresseur n'était pas donné, toi qui es sa BS? Pourquoi elle n'était pas donné l'invitation? Tu vois la différence entre moi et toi? Hein, Marupero? La différence entre moi et toi, c'est que quand moi j'arrivais quelque part, ah oui, 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 c'est-à-dire que j'ai la personnalité comme ta patronne a dit. Pourquoi elle n'était pas invitée? Hein? Pourquoi compresseur n'était pas invité? Si tu étais vraiment une femme qu'elle pouvait marcher avec. Pourquoi elle n'était pas invitée? Bonjour Adina la puissance, comment tu vas? C'est pour ça, moi elle m'invitait, elle prenait son téléphone, elle appelait, elle suppliait. Mon mari était moi, elle suppliait que Nancy, s'il te plaît, accompagne-moi. Si j'étais encore sympathisant, moi j'allais être à Nantes. Oui. Si j'étais encore sympathisant, elle allait m'appeler. Elle allait dire que Nancy vient. C'est la différence. Quand on a, tu aboies, tu es devenu gonflé comme... quand j'ai vu ta photo chez Monica Jazz, maman, ta tête est devenue, on dirait comme une grosse pastèque. Et tu mets encore, comment on appelle ça, les petits cheveux comme une petite fille. Comme une petite yoyette. Maman. Et tu défends compresseur. Tu crois qu'elle peut te regarder. C'est maintenant là. Quand une leader se déplace, il se déplace avec une... Il faut laisser Monica Jazz. Elle n'est pas de ta catégorie. Quand tu vois une femme, tu as la chance que mon mari a formaté mes vidéos. A formaté mon téléphone-ci. Ça, j'allais montrer ton mari comment il danse à la cuisine avec les lasses comme ça là. Et c'est toi qui filmes. Filme ton. T'es ça, tu vous dis que vous êtes terriblement marié. Montre ton mari. Tu as vu comment moi, je faisais le ménage avec mon mari aujourd'hui, non? Hein? Montre ton mari. Tu vois, Monica Jazz. Tu attends là. C'est-à-dire que même la silhouette de Monica Jazz, à l'eau à part. Tu manges 50 boules de couscous. Le ventre est là-bas. Le ventre est là-bas. La tête est grosse comme ça, comme une grosse pastèque. C'est toi qui vas venir clasher Monica Jazz. Tu es né. Hein? Les mannequins parlent des gens. Toi, tu viens entrer dans un problème qui ne te concerne pas. Bonsoir, Douala. Dans un problème qui ne te concerne pas, il faut reconnaître ta place. Tu es la Rupero de Nancy et tu resteras de la Rupero. C'est ça qui est ça. Comme je parle de toi aujourd'hui, je ne veux plus parler de toi. Je te parle de toi parce que tu es venu ouvrir ta bouche pour parler à Monica Jazz. Parce que tu ne vaux pas Monica Jazz. Nicole Kekia doit bouffer. Isaac Kam doit bouffer le Ndjangui. Aïe, on ne pleure pas sur Meta. C'est quoi ces oiseaux-là? Hein? 50 boules, Marie-Noël. Il a dit que 50 boules de couscous, que celle-là parle, elle mange. Elle veut venir parler à Monica Jazz. Tu as vu la silhouette d'une femme? Hein? Tu as vu la silhouette d'une femme. Si on te dit qu'elle a accouché les enfants, tu peux confirmer. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas, ma mannequin. Elle est une mannequin aujourd'hui, demain, après-demain. Elle porte l'habit. Tu vois comment l'habit tombe sur elle. Toi, quand tu portes l'habit, l'habit même assis par terre. C'est en train de demander que, merde, c'est quel corps même qui me porte. Toi, tu veux venir parler. Tu ne ressembles même pas à une femme qui a épousé un Watt. Hein? Tu viens parler à Monica Jazz, tu vois Monica Jazz, hein? Allô à part, quand tu parles là, les joues sont bombées comme ça.
une vilaine con. Où est Edith? Nessa, tu as pris Edith ici. Elle est où? Je vous ai dit que c'est moi qui vous fabrique. Edith est où? Vous avez dit que vous prenez ma fille, vous partez avec. Edith est où? Hein? Edith n'est plus votre milliardaire, Adama. Edith n'est plus votre milliardaire. Hein? Regardez-moi une bande de commandeuses. Une bande de vauriens. Toi aussi, les tigers fabriqués. Tu venais insulter compresseur sur ma page ici. Oh, aujourd'hui, tu commandes l'amitié. Tu cherches les alliés. Maman, on peut tourbillonner. Je t'ai pas appris ça. Est-ce que tu me vois tourbillonner dans les blocs des gens? Hein? Est-ce que tu me vois tourbillonner? Je ne peux pas entrer dans le direct de quelqu'un comme moi. Elle n'a pas l'affinité. Hey! Je suis quand même une vieille des vieilles. Je suis quand même une maman. Je vais entrer dans un blog, moi et la personne, pour qu'on puisse me verser la suie aux yeux. Ce qu'on a versé sur mes mains là, c'est petit. Je ne peux pas entrer dans les dilemmes de n'importe qui. Monica Diaz, c'est ma fille. Oui, elle me respecte, je la respecte. Le respect est mutuel. Hein? Bonjour Sylvie Tenier, bonsoir ma soeur. Comment tu vas mon cœur? Hein? Tu viens parler à Monica Diaz. Tu vois Monica Diaz? La Rupero. Rupero aujourd'hui, Rupero demain. Rupero après demain. Hein? Ma, ta patronne en compresseur, ma tempête qui insulte, comment dire, ma soeur Mula Tambour. Maman, quand vous regardez les bandes de gonflés, quand vous regardez là, hein? Vous voyez que vous ressemblez à Mula Tambour? Maman, la classe de ça, elle s'est assise ici, sur les gens. Pourquoi tu t'es toujours que quand c'est pour les autres? On dit que non, il ne faut pas. Là, tu vois que les gens sont méchants. Hein, Isakam? Tu vois que les gens sont méchants. Hein? Quand toi, tu fais aux gens ici, tu ne vois pas que la méchanceté, tu es, je dis que, un ange jusqu'à, maman, la valise des voices n'est pas finie. Il faut ouvrir la valise des voices. Il faut ouvrir la valise des voices. Quand c'est pour toi là, on doit fermer la bouche parce que c'est Isakam. Personne de la France. Il a dit que Monica Jazz, ma mannequin Monica Jazz doit rester sur toi. J'ai dit, et personne, la personne qui va entrer là-dedans, va me porter sur le dos. J'ai dit ceci. Les gens qui ne veulent pas la paix là, tu as choisi une gringa. Voilà un gringa qui est parti dans la cassation de la Réunion. Elle t'a laissé tomber. Maintenant, tu pleures dans les immenses. Que, oh, je n'ai jamais fait ça. Oh, on m'insulte. Il ne dit rien. Quand tu insultes les gens, Gringa dit que quoi? Elle dit quoi? Nessa, elle avait dit que tu fais ton blog avec le nom de Lolo. Hein? Et donc, sois sûr que, comment elle appelle? On te laisse quoi? Les gens qui encouragent. J'ai dit, quand les gens t'encouragent à faire quelque chose, quand tu bouffes le djangui, c'est une place. J'ai dit que quand tu bouffes ton djangui, c'est une place. Oui, oui, oui. Hein? Ma Roubaix, qui dit que Monica Jazz ment. Toi-même, tu es une menteuse pro-mars. Tu as dit ici que mon mari sort avec une Ivoirienne. Ou c'est une Ivoirienne, ou c'est qui? On attend toujours pour que tu as une Ivoirienne vienne témoigner sur ta page. Ouais. On attend toujours. Là, voilà, même lui-même, il attend ça. On attend toujours qu'on vienne témoigner. Une menteuse pour Mars. Je n'étais pas appris à mentir. Ouais, c'est un peu comme Bouge de Chef là, qui disait qu'il allait mourir égal. Je les attends toujours. Hein? Hein? Je n'étais pas appris à mentir, maman. Une ma Rupero. Je n'étais pas la Rupero de Nancy. Quand vous arrivez dans... Quand vous arrivez dans le direct de la Rupero là, il faut entrer en disant que bonjour la Rupero de Nancy. Oui, oui, oui. Quand elle fait le direct, vous arrivez en bas, vous dites bonjour la Rupero de Nancy. C'est ça qui est ça. L'histoire retiendra. C'est pas compresseur qui t'a fabriqué. Hein? C'est moi qui t'a fabriqué. Si tu étais dans le noir, tu venais parler dans mon direct ici. Tu venais parler dans mon direct.
Hein? Tu venais ici. Ouais, c'est pas vrai. Vous venez parler à une déesse. Bouffe le Njangi, Isakam. Tu n'as pas honte. Ni, comment dire, Flo t'avait dit. Flo t'avait dit que quitte derrière les clashs. Fais ton blog. Laisse le lot tranquille. Tu n'as pas voulu. Le karma, c'est une place, maman. Je te confirme que le karma, c'est une place. Le karma, Isakam. Le karma, c'est une place. Tu ne dois pas pleurer. Parce que c'est toi-même qui montre aux gens qu'il faut avoir, il faut avoir les voices. Tu parles avec preuve. Et nous aussi, on doit parler avec preuve. Tu crois que c'est toi seul qui va fouiller dans la vie des gens? Hein, Isakam? Le fameux FBI. Ah, le fameux FBI. Bonsoir, Viviane. Le fameux FBI. Tu ne peux pas fouiller. Nous, on va fouiller dans ta vie de tout aussi. On va fouiller dans ta vie, Isakam. Tu dois bouffer. Hein? Être en collectif, c'est bien. Mais quand tu veux subir dedans, c'est une place. Voilà maintenant que compresseur, tu viens pleurer. Je vous ai supporté, je vous ai lâché, je vous ai supporté pendant les mois ici. Là voilà, tu crois qu'elle va laisser sa cassation. Sa cassation pour aller être serveuse là-bas là. Hein? Pour t'amener. Hein, pour que les expressions de ton visage. On est fatigué. Que oh, j'ai les voices. Que oh, les voices sont montées. Que oh, j'ai mis ceci. Que oh, je vais veiller personnellement pour que, hein? Pour que. Où c'est pas papa Fondjapa? Hein? Nessa. La belle quantité. Donc, tu vois que ma Rupero. Ma Rupero. Tu ne peux pas défendre Ketcha. Ketcha a mis la vie des gens en péril. Ketcha s'est assise sur le comment on appelle ça? Sur le mur. Sur le trône. Sur la famille de quelqu'un. Aujourd'hui, quand on dit que chaque personne, parce que le jour que toi, la Rupero, là, la chose que Nancy a fabriquée, là, le jour que ta part va arriver sur la toile, je veux voir qui veut te, a dit. J'ai dit que, Dieu, voilà mon déliance. Le jour que ta part va arriver sur la toile, je veux voir si un compresseur veut déposer son téléphone pour te défendre. Et je veux voir si Isakam veut te défendre. Regardez seulement. Nessa, la reine Mébu avait dit. La reine Mébu avait dit à Isakam que comment on appelle ça? Les excuses. Laissez ça où il y a l'argent qui peut remplir son ventre. Bonsoir, ma puce. Comment tu vas, ma belle? Là? Merci pour le gros cœur. Elle veut laisser Ngono. Elle veut laisser sa cassation où on peut lui donner. C'est la fin du mois, oh. Ou on peut lui donner un peu de jet. Hein? Pour venir te défendre. Ma tempête veut laisser ça.
pour venir te défendre. Isaacam, il faut prendre la graine. Quand c'était pour les autres ici, tu tapais le tam-tam. Tu disais comment tu avais les voix de... Tu disais que... Hein, tu disais comment? De la Mourema, essaye! Bonsoir, Charlotte. Essaye! Bonne fête à toi. Essaye de clasher Maman Pépé. Essaye! Tu vas voir. Je vais te charger contre toi. Oh, aujourd'hui... Ouais, Maman Pépé, là, elle ne te défend pas. Hein? Elle ne te défend pas, ma. Hein? Ma soeur a essayé. Ma soeur a essayé. Hoha. Ma soeur a lavé ta star propre. Et elle continue à laver. Attends quand elle veut revenir. Attends quand ma soeur veut revenir. Tout ce qui s'est passé là, elle veut nourrir sa page avec. Elle veut s'asseoir. Elle veut faire sa propre et te donner. Tu avais dit que quoi? Quand t'as dit qu'ils vont aller à Rouen vendre le pépé, alors qu'elle-même, son chiou, elle a tout cassé. Le chiou... Chérie, ferme les oreilles. Ouais. Le chiou de compresseur, elle a cassé. On a cassé ça partout. Et c'est toi que tu allais venir faire... tu allais à Rouen pour aller vendre le pépé, là-bas. Et que tu dois lui donner l'argent. Elle allait te mettre en route. Elle allait te mettre dans le camion rouge. Pour que tu vas vendre le pépé. On t'avait dit ce qu'elle laisse les clashs. La vie là, les clashs, ça ne paye pas, maman. Ça ne paye pas. Avant de venir s'asseoir pour faire les clashs, il faut d'abord t'assurer que ton avenir est assuré. Oui, oui. Tu dois t'assurer. Ouais. Tu dois assurer tes arrières. Et assurer bien que ton mariage est solide. Oui, mais tu es venu ici, kounia, avec le ventre, tu mettais le pantalon ici en bas de seins. Oh, tu venais dire que, oh, moi j'ai les voices. Oh, j'ai les voices. Lolo, je vais m'asseoir sur toi. J'ai les voices. Toi-même, tu es en train de pleurer. Pourquoi tu vas taper le salam? Pourquoi tu vas chercher les gens? Pourquoi on vient dire à Monica Jazz d'arrêter de te clasher? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Viens se mêler dans les choses, les histoires des petites femmes, des femmes d'Italie. Hein? Et il vit en Italie. Et Monica Jazz est, comment on appelle ça? Elle est une grande femme. Elle est vaccinée. Et elle a son blog. Sur son blog là, on ne doit pas lui dire qu'il faut arrêter ça. C'est son blog, c'est sa connexion. Tu as compris? Tu dois bouffer. Hein? J'ai dit à Nicole de faire très attention quand elle avait encouragé les clashs. Voilà. Mais maintenant, elle veut que un monsieur, au lieu de gratter le gomayor avec sa femme, il veut venir dire que à Monica Jazz qu'il faut laisser. C'est lui qui fait la connexion de Monica Jazz. Hein? Vous ne savez pas faire la part des choses. Hein? Tu ne sais pas que quand tu as les relations avec quelqu'un, tu faut savoir faire la part des choses. Le virtuel. Hein? Le virtuel et la réalité. Regarde-moi ça. Tu veux bouffer le njangui. Il ne veut pas. Hein? Tu vois, au moins, Monica Diaz parle l'étude de l'Italie. Elle ne vient pas en France parler. Tu es en Italie. Elle est là-bas, elle s'occupe des gens d'Italie. Comme Bouripou. Ah oui. L'astico, la chose que moi, Nancy Beauté Beauty, j'ai fabriquée. Il ne faut pas avoir pitié. Claude, il ne faut pas avoir pitié de Bouripou. Ne voit Isaacam, ne faut pas avoir pitié. Elle est sans pitié. Isaacam est sans pitié. Si Isaacam entre dans ta vie, je te jure, tu vas regretter. C'est-à-dire que tu t'es mis dans ta glace. Tu te regardes, tu dis que merde, est-ce que je suis vraiment sorti? Si tu n'as pas les nerfs là bien solides, hein? Si tu n'as pas les nerfs bien solides, tu ne veux même pas ça. Tu sais que tu veux, manquer, tu veux douter de toi. Tu veux douter de toi. Et pourquoi nous on doit avoir pitié d'elle? Elle est qui? Une salité comme ça là. Salité pour Mars. Une femme qui ne se wash pas.
Voilà maintenant que ta patronne est partie au salon à la cassation de les réunions. Tu sais que oui, on a bouffé 10 000 balles. Il faut qu'elle soit là. Faut pas que 5 francs cherchent l'autre. Elle doit surveiller partout l'argent part. Hein? Elle a porté la main, ta main, tout ça clique. Et parti avec. Que venez, on va contrôler là-bas. On va contrôler. Sinon, hein. Sinon, on ne peut pas. Elle ne peut pas. Ah, j'avais oublié, c'était lui l'homme dans le groupe. Et les autres étaient les femmes. C'est pour ça qu'il fallait qu'elle s'habille en pantalon. Avec nos papillons. Et toutes les femmes qui étaient là-bas étaient avec d'autres qui avaient les robes et zahor là. Avec d'autres qui avaient la jupe qui serrait. On dirait que le ventre va exploser. On ne laisse pas mourir. On ne laisse pas. Elle doit lire l'heure. Oui, oui. Il faut dire. Hein? Nicole, tu as mis ta vie en dérangement. Et c'est ça. À cause de compresseur. Hein? À cause. Elle doit lire l'heure. Je vous assure. Elle doit lire l'heure. On doit mettre le piment, le sel, le poivre dedans. On met même. Je dis que ça doit piquer jusqu'à. Elle a la pitié des gens. Vous venez dire qu'elle doit avoir pitié. Elle a pitié de qui? Hein? La chose que j'ai fabriquée. Le père de l'enfant de Mpouripou, ça avait lui, je niasse. Hora! Et ça ne chauffe pas. Ça ne peut pas chauffer. Je ne la laisse même pas au point. Je dis que même pas dans nos tasses. Si tu laisses, hein? J'ai dit, ma fille, si tu laisses, ça veut dire que. C'est que ton mannequinat là, ça n'a pas de valeur. Niaise-moi ça correctement, tu mets au nez. Tu mets. Elle voit une fille. Cette grenouille, la chose que Nancy a fabriquée, la roupère de Nancy, elle ne peut pas avoir ton corps. Elle ne peut pas avoir ton gabarit. Elle ne peut rien avoir de toi. Parce que cette roupère là, c'est moi-même qui a fabriqué. C'est moi-même qui a fait. Ça, c'est ma fabrication. Hoa. Ce n'est pas que. On dit que c'est monté, c'est descendu, c'est ma fabrication. Et sur la toile là, vous savez que sur la toile, quand tu vois que il y a quelqu'un qui te donne les vues, tu t'accroches. Et elle s'est dit que si je m'accroche, à Monica Diaz et Nancy, oh, je veux faire les vues. Oui, oui, je veux me faire les vues. C'est ça. Elle dit ça à compresseur. J'ai dit que, elle ne peut pas pleurer. Elle ne peut rien. J'ai dit qu'elle va, on ne pleure pas sur Meta. Tu, ouais, maman Lily. Maman Lily se balade partout maintenant. Partout, partout. Maman Lily dit que pour la paix. Maman Lily dit que pour la paix. Voilà, c'était chez Pispis que j'ai vu. Elle écrivait à Pispis que pour la paix, que, on a fait la paix, il faut laisser un Mumkena. J'ai dit, yeah. Maman Lily, tu marches là partout pour demander. Si c'était vraiment ta fille, elle allait t'écouter. La qualité que tu as donnée, l'énergie. La qualité de la vidéo avec son mari. Aïe. C'est comme ça, non? Même la Rupero ne peut pas. J'ai lancé le défi à la Rupero. Prends-toi en photo. Ça dit que tu es en direct. Ton mari vient se mettre derrière toi. On voit ton mari. Si tu es une femme, moi, hein, aujourd'hui, on a vu mon mari. Hein, moi, il cache pas, c'est le 15 de Facebook. Mon mari, c'est le 15 de Facebook. Le vieux blanc. Ah oui, oui, oui. On a vu mon mari aujourd'hui. Donc, prends la photo avec ton mari. J'ai dit que Claudine, il ne faut pas avoir pitié. Ici, là, il ne faut pas écrire que tu as pitié de Mumkena. Mumkena. Ça a fait combien d'années qu'elle est sur le lot? De toi à moi, ça a fait combien d'années que cette fille fait le blog? Fleur est venue parler. Fleur a dit que laisse. Elle a dit que quoi? Je laisse? Je ne peux pas laisser. Je suis sur un pied. J'ai les voice. La valise des voice n'est pas finie. Il faut qu'elle vienne encore déposer. Parce que la starmania de Lolo n'a pas encore pris. Il faut qu'elle vienne déposer les voice. Qu'elle continue à faire les voyages. On peut entrer dans la vie de quelqu'un. On connaît la vie de quelqu'un. Lolo passe laver. Elle est le FBI. Tu as oublié, Claudine.
Elle disait qu'elle a les photos. Tu as oublié, quand Boumkena était sur toi là, il n'y a pas de bébé. Il n'y a pas que pitié. Il n'y a pas ça. Le jour que papa va arriver, asseyez-vous dessus. Que chacun, ceux qui sont avec moi vont rester avec moi. Ceux qui ils vont aussi laver comme Nancy lave là. Vous allez laver, le Ndjangé va passer. C'est ça qui est ça. On n'est pas ici pour donner, pour caresser qui ce soit. Boumkena, Isaac Amde Nicole, elle doit bouffer son Ndjangé une place. Une place, même sa patronne pense d'abord à son ventre avant de penser à Boumkena. Regarde-toi aujourd'hui. C'est la roue Perrault de Nancy qui vient te défendre. Qui pourrait imaginer? Qui pouvait tendre l'oreille et imaginer que c'est ma roue Perrault, la chose que j'ai fabriquée sur mon bloc qui vient te défendre aujourd'hui. Alors que la femme que tu as ouvri ton gosier ici, que tu disais à ma soeur que, oh, si tu fais ça, je vais suicider, essaye. Je vais mettre les voices. Voilà le plantain de ton mari. Hein? Voilà le plantain de ton mari. Voilà ça. Voilà ta part qu'on a aussi. On a ta part. Une femme de ta mère dort par terre. Maman, ta mère dort par terre. Sa mère au sol. Tu es capable d'acheter un matelas à ta mère. Tu vas venir parler aux gens. Une saleté de merde de poubelle d'Isakam. Tu viens parler aux gens. Hein? Quand tu t'asseyais sur les gens, tu croyais que cochon dessus. Vous n'avez pas vu le cochon sur son frère? Est-ce que vous n'avez pas vu le cochon sur son frère? Amen, Kamel. Le cochon, quand ils sont en public comme ça, là, il est obligé de mettre le foulard, le chapeau pour que ça arrive ici. Le cochon, la famille de cochon, vous venez parler à qui? Hein? Demain. J'arrive. Oui. Je n'ai pas encore fait une heure. Non. Il est 21h25. Oui. Je suis à 50h. Ah, une petite Wolowos. Une petite vanipier. Attends demain. Quand je vais faire la route, je vais traiter ton focop. Ngrenga ne peut pas te défendre. Elle cherche où elle va aller contrôler. Comment on appelle ça? Contrôler où les 10 000 euros vont passer. Oui, parce qu'elle est affamée. Si elle ne reste pas où il y a les 10 000 euros, elle ne peut pas voir. Ngrenga, elle a faim. Tu avais dit ici parle encore. Si tu claques compresseur, je vais sortir. Je vais sortir. J'ai les bosses. J'ai le plantain de ton mari. Voilà ça. Nous-mêmes, on a pour toi. Nous-mêmes, on est devenus le FBI de tout ça. Tu dois bouffer le Ndjangé de ça. Et je vous dis, écoutez-moi très bien. Personne n'entre dans la guerre là. Montrer ton visage, montrer les perruques, montrer. Maintenant, tu fais les directs dans le noir, ma. C'est comment? Quand on sort du noir, on n'entre plus haut. Hein? Quand on sort du noir, on n'entre plus. Il faut faire les vidéos avec le visage. Oui. Quand on dit déjà que je suis une guerrière, on n'entre plus dans le noir. Parce que le noir, là, doit vous chasser. Le noir doit vous chasser. Parce que vous êtes, tu es une imbécile avec la chose que j'ai fabriquée, qui a les pieds comme le canard boiteux. Les pieds comme le canard, quand elle marche, maman est devenue laide. Quand elle était même ici là, je lui conseillais que pardon, il faut faire ceci. Maman, quand vous vous mariez, tu te négliges. Marou Perrault, tu te maries, tu te négliges, tu deviens, la tête devient comme une grosse pastèque. Hein? Les fesses même, il n'y a plus. Maman, les mabongo, les cuisses, alors, il n'y a plus le fouettement de ça. Tu te fouettes. Maman, quand tu marches, les cuisses font ça, 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 ça. Maman, il faut faire le sport. Adama. Il faut faire le sport. Nina, bonsoir. Il faut faire le sport. Lorraine, bonsoir. Il faut faire le sport. Oh, ha. Maman, parce que tu es pourriture de mère. Bio, bonsoir. Et tu es une pourriture, une lascara de pourriture. Maman, les pieds, tu ne sais pas où on peut redresser les pieds. Hey, c'est comment on n'était pas invité parce qu'il n'y avait pas une chaussure à ta pointe. Tu ne la vois pas. Tu ne vois pas Monica Diaz. Le ventre est comme une femme qui a mangé 50 boules de couscous. Adama, on dirait que ton blanc là, il ne te dit pas qu'il faut faire le régime. Maman, hein? Tu comme les coiffures de Dieu, maman, tu n'as plus d'argent pour mettre les perruques sur la tête. Hein? Voilà ta patronne là-bas.
Et les vieux perruques qu'elle fait le direct tous les jours, c'est ça qu'elle prend pour aller. Tu as vu, vous avez vu comment Lolo était? Les fourmis moignants, quand c'est pour le problème de quelqu'un, vous venez ouvrir vos sales gueules là dessus. On va traiter vos faux comme vous, si vous ne voulez pas vous calmer. On va traiter ça propre et ça ne réchauffe pas. Tu as compris? On va traiter ça. Regarde-moi une lascar comme ça, celle qui achète la chose que j'ai fabriquée. La roupère aujourd'hui, demain, après-demain, ça ne réchauffe pas. Tu vois, les vraies femmes, les manicans parlent. Que quand ils entrent dans la boutique, ils n'ont pas à faire 100 ans pour trouver la robe qui va sur eux. Toi, là, tu entres dans la boutique, il faut que tu fasses au moins 100 boutiques pour trouver la robe qui entre sur toi. Hein? La perruque de Aïcha. Maman. Même celle-là, il ne faut pas prononcer la dame là. Elle ne cherche pas le problème. Aïcha Djamila ne cherche pas le problème. Il faut les laisser. Hein? Une petite lascar. Ça. Le nez papillon voulait couper le cou. Toi, avec ta perruque, tu entres dans l'obscurité, tu viens pleurer. Chez ma roupère. Hein? Tu dis que tu ne sais pas pourquoi Monica Jazz te lave. Tu dis qu'elle ment. Si c'est que, prouve-nous que Monica Jazz ment. Je te lance le défi. Il faut nous prouver que Monica Jazz ne ment pas. Tu sais ce que tu fais? Tu te filmes avec ton mari. Tu fais un direct où on voit ton visage et on voit ton mari. Comme ça, nous, on veut dire que ce que Monica Jazz dit, c'est les mensonges. Tu vois, non? Comme ça, nous, on veut dire que ce que Monica Jazz dit, c'est les mensonges. Ça, c'est le défi, non, ma? C'est ça. C'est ce que toi-même. Tu écris, pardon, mes quotas, la roupère de Nancy, c'est qui? Donc, tu ne connais pas la roupère de Nancy, alors que tu donnes, c'est toi qui donnes les étoiles à ma soeur, non? Hein? C'est elle, rappelle-toi, c'est elle qui avait dit à Mandolo Moulema que, hein, voilà, j'ai le plantain de ton mari. Tu te rappelles pas? Hein? J'ai le plantain de ton mari. Voilà ça au téléphone. Si tu parles encore, je vais te laver. Hein? La roupère de Nancy, rappelle-toi, c'est celle qu'on appelle, le compresseur appelle, mais où c'est quoi, ce n'est pas celle-là, Fabella. Ce n'est pas celle qui part lécher les plats dans les, tu vois déjà, voilà. C'est elle qui avait dit que si ma soeur ose, qu'elle a le macabre de ma soeur. Oui. Elle avait dit qu'elle a le macabre de ma soeur. Maintenant, nous, on a le macabre de Mbumkena. Mbumkena, on a ton macabre. Tu n'as pas honte. Malgré comme tu as le plantain de ma soeur, le plantain de son mari, elle est dans son foyer. Hein? Ndolo Moulema est dans son foyer, bien assise, et ça ne chauffe pas. Ndolo Moulema est dans son foyer, et ça ne chauffe pas. Maman, les bisous de ça, l'amour là. L'amour de ça. Mais toi, te voilà qui te retrouves dans les bergeries des mamans, des femmes au foyer. Tu te retrouves au foyer. Est-ce que vous avez la même catégorie? Hein, Boumkela? Vous n'avez plus la même catégorie. Vous n'êtes même plus dans le même niveau. Hein, Boumkela? Toi, tu dois lire l'heure. Monica ne va pas laisser. Elle ne laisse pas. Bio. Elle ne laisse pas. Monica Jazz ne parle pas les choses de l'affaire. Tu vas voir que si tu ne parles pas, comme on a parlé d'elle aujourd'hui là, on la met au placard et on s'assoit dessus. Tu t'occupes que de Mbumkena. Et nous, on est là sur les directs de Mbumkena. Mbumkena, il faut sortir du noir. Ne reste pas dans le noir. Tu ne peux pas, tu as insulté ta patronne dans le noir. Maintenant, tu peux encore te réconcilier avec, comment on appelle ça? Tu te réconcilies avec le noir, pourquoi? Hein? Tu te réconcilies avec le noir, pourquoi? Il ne faut pas te réconcilier. Il faut sortir du noir. Oui, parce que tu ne vaux pas. Tu ne vaux pas Monica Jazz. N'en parlons plus de la chose que moi là, j'ai fabriqué.
cette chose qui gonfle de jour en jour là. On dirait que elle en jachait, le blanc ne faute pas son gomayo. Hein? Ton blanc ne te faute pas le gomayo. C'est pour ça que tu es devenu grosse patapouf. Hein? Le yaourt est partout sur ton corps. Maman, on peut faire ça. Le yaourt est plein sur ton corps. Bomaillé comme ça. Bomaillé, toi tu vas venir parler. Tu vas venir parler à Monica Jazz. Vous croyez toujours que quand quelqu'un a un problème, vous croyez toujours que ah ah, aujourd'hui la maman, c'est trop fort pour moi. Tu sais que moi j'étais pas à l'école. Donc c'est cette chose là qui disait à ma soeur que j'ai le macabo de l'homme le maco dans son couple. Elle est dans son couple. Nous on tient nos maris. On tient nos maris et on nourrit nos maris. Le ventre et le bas-ventre. Mais toi là, tu as perdu ton mari. Bonsoir Black Beauty. Tu as perdu ton mari, Bumkela. Tu as perdu ton mari. Ton mari n'est plus là. Si c'est comment là, filme-toi avec ton mari. Vous voulez qu'un monsieur, le président de la Veuve Joyeuse, veut venir dire le papounette de Monica Jazz veut venir entrer dans la salité d'Italie pour venir dire à Monica Jazz qu'il faut laisser toi qui, quand il bouffait son jangui, Nessa, toi-même, tu étais dedans, tu appuyais, tu envoyais les cœurs. Nessa, Bumkena, tu envoyais les cœurs quand on lavait le papou de Monica Jazz. Nessa, tu envoyais les cœurs. Donc, tu veux maintenant que quand c'est toi qui bouffe le jangui, il faut que lui, il se lève avec sa carrure pour descendre plus bas, pour venir dire à Monica Jazz que il faut arrêter. Ce n'est pas lui, hein. Il faut comprendre, savoir qu'ils vont se séparer. Maintenant qu'ils se séparent, Dieu t'a envoyé l'ascenseur. Pourquoi tu pleures maintenant? Hein? Quand tu sépares les couples des gens, tu applaudis. Quand ton couple arrive, toi tu n'applaudis pas. Toi, tu ne veux pas que les gens applaudissent. Maman, on doit boire que la bière dessus, non? Ou bien? On doit boire la bière dessus. Moumkena, on ne pleure pas sur Facebook. Sur Meta, là, c'est pas la voix bébé. N'est-ce pas, toi-même, tu le dis, tu disais souvent ça, que c'est pas le voix bébé. On ne donne pas le bébé. On ne donne pas le sein. Aïe, oh, vieille mère. Une femme de 40 ans comme toi. Tu veux qu'on te donne encore le sein. Si tu n'as pas pu garder ton homme là, ma mannequin Monica Jazz veut s'en occuper. Elle veut mettre ça. Elle dit que tu mets au nez. Tu mets ici. Tu mets partout. Dans la bouche là, tu lui dis d'écarter. Tu pisses sur sa bouche. Tu pisses sur la bouche. Tu mets dans les oreilles. Que le Jacques, quand il ne te voit pas, il commence à perdre la tête. C'est ça qui est ça. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Voilà ta patronne. Ta patronne qui va dans les cassations. Tu crois qu'elle va te défendre? Aïe. Ta patronne ne peut pas te défendre. Tu comprends? C'est ça qui est ça. Oui, bouffer le jangui, c'est une place. Bouffer le laver ça. Pro. J'ai dit que tu t'occupes de son mari. Bonjour, bonsoir, Amel. Tu t'occupes bien de son mari. Tu me niaises ça correctement et bien. Pour que, même si elle revient, l'homme dit que moi, elle ne te veut pas. Je ne te veux plus. J'ai vu une mannequin là-bas. Quand c'est que tu as Agnès, le frère et le petit frère et le grand frère, après tu les tapes le pied aux fesses. C'est ça qui est ça. Tu les bottes le pied au cul. Allez, dégagez. Ils vont aller là-bas, ils ne vont plus aimer, ils ne vont plus aimer Bumkena. Parce que tellement que tu veux les donner le goût, tu veux les mettre ça partout dans les oreilles. Ils vont confirmer qu'on a trouvé une mannequin de l'autre côté. C'est ça qui est ça. Bumkena, tu dois bouffer. Njangela. Hoha. Mais Maroupero, toi là, tu sais que depuis que tu m'insultes, moi, je te gère pas, non? Moi, je te gère pas parce que tu es Maroupero, tu es ma fabrication, non? Tu es ma fabrication. Hein? Tu es ma fabrication, Maroupero. Donc, depuis que tu es là, tu parles de Monica Jazz. Avant de parler de Monica Jazz, la chose qui sent mauvais là.
qui dégage les odeurs, que la, le Watt refuse de niasse et elle a commencé à gonfler. Maman, Dieu était fâché jusqu'à. Il était en train de réfléchir que je veux mettre quel pied. Il t'a mis les pieds bancals comme ça, là, comme le canard. Tu as vu quand tu marches? Tu as vu quand tu marches? Tu as vu quand tu marches? Maman, les ma bongo de ça. On ne laisse pas Monica Diaz. Ne laisse pas ça. Lave-moi ça bien. Brosse-moi ça correctement et bien. Voilà. Tu dois laver ça. Tu dois me brosser ça. Oui. Ne gêne pas. Comme on a parlé de celle-là. La chose que j'ai fabriquée là. Comme on a parlé d'elle. Ne parlons plus jamais d'elle. Mettons, il faut... Elle, Dieu l'a fabriqué avec le reste de Monica Jazz. Ouais, bio, tu vas finir. Tu vas finir. Et te dit, oui, Dieu l'a fabriqué avec le reste de Monica Jazz. C'est ça que ça. Les bandes, vous n'avez pas honte. C'est vous qui avez les milliardaires dans les teams. Et c'est vous qui vous habillez comme les serveuses. C'est vous qui avez, vous qui gonflez. C'est vous qui avez les pieds comme les canards. Maman, tout ça dans vos papillons. Le nez papillon veut l'étrangler. Le nez papillon. Elle ne peut même pas regarder les gens qui sont autour d'elle. Elle ne peut même pas demander. Quand tu dis que tu es star, tu dois avoir une styliste. Tu dois avoir quelqu'un qui, quand tu t'habilles, la personne peut te conseiller. Maman, écoute alors la perruque qu'elle a mise sur la tête. Tu ne pouvais pas m'appeler et t'envoyer la perruque. Hein? Tu ne pouvais pas m'appeler. Toi et Amélie, les perruques, on dirait une Amélie qui a touché 10 000 euros. Tu ne pouvais pas enlever, serait-ce que 100 euros pour acheter une perruque. Maman, les vieux perruques que vous avez de mise, il faut laver ça, ça sent. Les perruques que toi et ma tempête vous portez, ça sent, ça pue. Au cas contraire, il faut raser la tête comme la reine, mais bio. Vous rasez la tête, vous serez tranquille. Et le vent va passer sur votre tête, au moins le cerveau veut revenir. Le cerveau veut revenir. Quand c'est que vous portez les mêmes perruques que vous faites les vidéos tous les jours, on vous voit tous les jours avec les mêmes perruques. Les mêmes perruques, maman, chronique, ma tempête. Regarde Lolo. Lolo est parti à la conférence en Allemagne. Maman, elle a changé. Elle a changé même l'habillement. Le nez papillon au rose sur le cou. Et puis, j'ai plus de quatre même. Et puis, dedans, la chemise blanche qui te tenait le cou. Et là, ça se s'ouvrait. On dirait, on sent que tu as pris du ventre, ma belle. Tu as pris du gros ventre. Ma tempête, tu as pris un gros ventre. Que tu portes la chemise jusqu'à que ça s'ouvre. Hein? Les boutons s'écartent comme ça, là. Et qui même, les gens ne pourraient pas te conseiller, maman. Les gens ne pourraient pas te conseiller. Toutes les couleurs que tu connais dans ta vie, c'est le noir blanc. Alors que si on t'a acheté, on t'a offert, ça ne fait même pas 6 mois qu'on t'a offert 2 paires de chaussures. Pourquoi tu n'as pas porté ces chaussures-là? Hein? On t'a offert 2 paires de chaussures, on t'a offert une robe. Pourquoi tu n'as pas porté ça? Tu vas porter, c'est quoi? C'est quoi? C'est toi qui pisse dans toute leur bouche là-bas. C'est toi qui es devenu long. Parce que je ne comprends pas. On dit que soirée, même si c'était la cassation, toi tu as dit que c'est une soirée. Tu devais t'habiller, quand on dit chic et, amour et chic, ou c'est chic et l'âme, ou c'est chic amour. Maman, c'est ça que vous appelez chic amour. Yé, Adama. Adama. Et ce que vous avez fait à ma soeur Oshika, c'est pas bien. Hein? Ce que vous avez fait à l'artiste qui est ta belle soeur. Quand on donne le micro à quelqu'un, on doit d'abord vérifier. Quand on invite une artiste, c'est ça qu'on dit, non? Une artiste pour venir chanter, on doit d'abord vérifier si le micro fonctionne. On doit tester. On doit lui donner un micro et régler le son
avant qu'elle vienne, elle entre dans la salle, il fallait l'amener, régler le son, régler les instruments. Maman, elle cherchait, on n'entendait pas ce qu'elle dit. Ben encore TikTok. Il fallait la laisser amener TikTok là-bas. Parce que chez TikTok là-bas, hein, elle chante au moins, on attend sur TikTok. Mais là-bas, elle chante, on ne savait même pas ce qu'elle chantait. C'est quelle honte que vous êtes parti foutre à ma soeur comme ça là. Hein? C'est quelle honte. Eh, maman, Dio, moi je préfère même son habillement. Tu as vu l'habillement de Gringa? Maman, tu as vu le nez papillon? Quand Gringa s'est assis, elle s'assoit comme ça. Une fesse. Hein? Les couches culottes qu'elle porte, c'est l'autre était à partir d'un côté. Donc, sur, elle s'assoit comme ça. Hein? Une fesse. Après, quand elle voit que c'est descendu de l'autre côté, elle se tourne encore. Elle s'assoit comme ça. On peut gesticuler comme ça dans une chaise au trône. Maman, tu avais les fourmis aux fesses ou quoi, bah? Tu avais les fourmis aux fesses. Compresseur, tu avais les fourmis aux fesses. On peut gesticuler. Vous rigolez quoi? J'ai dit la vérité. Vous n'avez pas vu? Marta Pesse, elle regarde là. La bouche ouverte, les mouches entrent dans la bouche. Hein? Ouais, Marine, ouais. Les mouches entrent dans la bouche de Ngossa. Elle fait ça. Elle regarde. On dirait qu'elle avait vu un truc qu'elle n'avait jamais vu. Et c'est ça qui vient nous dire sur la toile que, oh, j'ai la personnalité. Hein? C'est ça, c'est cette chose-là qui vient nous dire que j'ai la personnalité sur Facebook. Hein? Mais attends, on ne gesticule pas. Il faut, quand on te dit que tu es, quand tu dis, on dit que tu es star, il faut copier ce que, comment les stars s'assoient. Quand Fleur s'assoit, elle s'assoit bien et on s'assoit droit. Tu cambres ton dos quand on s'assoit sur une chaise. Tu cambres ton dos et tu croises tes pieds. Oui, on montre. Il faut aller sur YouTube, Ma Tempest. Comment se tenir à table? Comment s'asseoir? Et comment? Et Ma Tempest, tu n'as pas Google. Hein? Ma Tempest, tu n'as pas Google. Google te dit comment t'habiller. Si c'est une soirée de gala, tu dis que Google, je suis mince, je suis comme ça. Comment je peux m'habiller pour aller dans une soirée, comment on appelle? Dans une soirée gastronomique ou bien dans une soirée... Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire et elle oblige. Ah oui, au restaurant, alors, c'était pompon. Au restaurant, tu demandes les fruits de mer avec le froid sur ma tempête. tu ne connais pas les repas qu'on mange pendant l'hiver. Avec, tu pouvais demander au restaurant pour qu'on te donne, on te sert le repas de Nantes. Oui, Adèle, Google parle. Hein? Google, tu demandes à Google. Comment tu suffis de dire à Google ce que tu veux, dans quelle fête tu vas aller. Google veut te sortir. Tu tapes sur Google, Google te sort le modèle pour que tu sois chic de l'amour. Hi, ma tempête. Au restaurant, alors, c'est elle s'assoit au restaurant, elle prend, il a une main, elle pose tchap, elle prend l'autre, elle pose tchap. Je dis, hé, est-ce qu'on s'assoit comme ça au restaurant, maman? On ne jette pas tout son corps sur la table. Aïe, ma tempête. C'est comment? Hé, Achille Dicolo, pardon, viens prendre ta femme. Parce que le tout si c'est fini. Aïe, on peut se tenir comme ça. Hein? On peut se tenir, tu dis que tu as la personnalité, mais tu ne sais pas te tenir en public. Tu ne sais pas te tenir en public. Tu ne sais pas te comporter. Hein? Et quand tu veux manger, hein? Tu veux manger, tu peux venir au restaurant, je veux découvrir les typiques de Nantes. Ils ont dans chaque département, chaque ville a ses typiques. Tu pouvais demander, comme toi tu as envie de, c'est qu'est-ce qu'on mange bien à Nantes. Pardon, je suis fan de qui? Je fais mon blog avec elle, maman. Je fais mon blog avec elle. Ça, c'est ma cible à moi. Je prends quand je veux. Je mange quand je veux. Je dis, et je ne perds pas ma cible de vue. Moi, Nancy Beauté Beauty, je ne perds pas ma cible de vue. Je suis assis, kalakala. Elle pète
je vois. Elle, j'ai dit qu'elle a tous ses mouvements. J'ai dit bien tous ses mouvements. Quand on s'assoit, c'est comme ça. Tu t'assois et tu croises le pied sur l'autre. Comme ça. Mais tu galpes ton dos. Il faut galper le dos. Et tirer le ventre derrière. Bonjour ma soeur. Oui, oui, j'étais en train de laver Bunkena. Bunkena en train de pleurer ma soeur. Avec la Rupero. Rupero dit qu'elle veut défendre Bunkena aujourd'hui et demain. J'ai dit, hey, la Rupero. Bunkena qui dit que, hey, voilà. Hein? C'est qui m'a la valise de voice. Maman est FBI. C'est comment? La valise s'est fermée. Ou bien tu n'as plus de voice. Maintenant, Nicole, Mboumkena fait les directs maintenant dans le noir. Mboumkena fait les directs dans le noir. On peut sortir du noir et entrer encore dans le noir. Hein? Maman? On peut sortir du noir et entrer encore dans le noir. Quand c'était pour nous ici, vous étiez en train de dire que c'est monté, c'est descendu, Rupero dit que j'ai le macabre de Ndolo Moulema aujourd'hui. Rupero, ta patronne est partie surveiller les 10 000 euros que sa patronne a gardé, qu'Amélie a gardé. Pourquoi elle n'était pas amenée? Pourquoi Compressor ne vous est pas invité? Pitiation Founa. Elle ne vous est pas invité, pourquoi? Hein? Parce que vous êtes les travailleuses sans salaire. Oui, oui, oui. Les travailleuses sans salaire. Tu la suis, tu es seulement sur Facebook là. C'est ça. Attendez-moi. C'est parce que là, mon mari dit qu'on n'a pas dormi. Parce qu'on se lève tout le matin. Vous prendre la route. Il faut que je sois, je dois être à Paris à... Au plus tard, à 11h midi, je dois être à Paris. Au goût d'avoir un mari, que mon mari a fait 860 km parce que je pleurais que mon téléphone, on m'a envoyé, il y avait trop de pubs. Mon mari est venu formater, rendre à neuf. C'est ça. Hein? Bunkena, est-ce que ta part de mari peut faire ça? Hein? Maintenant que toi, tu es devenu, tu es resté seul. Maintenant, tu te retrouves au foyer. Tu te retrouves où? Au foyer. Hey, tout le monde est chez Bunkena. Tout le monde est chez Bunkena. Hey, attendez, je vous fais écouter un peu. Avant qu'on va se coucher. Je vous fais écouter. Hey, Bunkena, oh, Adama, on peut faire ça. Bunkena. Bunkena. À se aider. Je vais vous rappeler un peu la genèse de Nicole. Aha. Quand est-ce que Nicole est arrivée? Alors, ma soeur, je ne le fais pas parce que je veux que les gens t'acculent. Mais je le fais pour que tu te rends compte que tu es dans un trou qu'il faut sortir de là. Mm-hmm. Tu es dans un trou qu'il faut accepter que les gens doivent t'aider. Parce que tu refuses que les gens doivent t'aider. Tu refuses les conseils. Donc, on t'a mis dans la tête que tu es une star. Je ne sais pas si c'est ma faute. Et ma pépé qui t'ont mis ça dans la tête, au point où tu ne veux plus écouter. Pas toi, maman, les gens la changent, même si ce sont eux, c'est ceux que tu as provoqués. Quand tu viens les insulter, tu penses qu'ils vont te répondre comment? Quand tu désobéis à leur mafo, tu penses qu'ils vont te prendre comment? Ils vont te cajoler parce que tu es qui? Mm-hmm. Quand on regarde même tes anciens clashs que tu lavais, mafo, mm-hmm. tu l'appelais avec tous les noms d'oiseaux, tu mm-hmm. pleures quoi? On a assis par terre. Pour payer le lion, c'est comment? Hein? Tu pleures quoi? Elle t'a demandé tout simplement, arrête d'insulter, c'est tous. Il dit même moi, si tu arrêtes d'insulter Tata Lolo là, tu arrêtes ce que tu fais là. Moi-même, je vais combattre. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours combattu pour toi. C'est toi l'hypocrite. Ah. Nico, c'est toi l'hypocrite. J'ai toujours combattu pour qu'on laisse ta famille tranquille. Aujourd'hui, regarde comment on te balance partout dans toutes les sauces. Si tu avais obéi à Maman Faux, c'est que moi-même, je me place devant et dis que dégagez. Mieux ils me prennent, je suis habitué, j'ai le dos large. Mais toi, tu n'as pas le dos large. Tu pleurniches beaucoup. Tu pleures beaucoup. Quand on te parle un peu que ce que tu as fait n'est pas bien, tu pleures.
Oh, ils font ça parce que j'ai entendu dire, j'ai entendu certains rats parmi ces écrits que oh, c'est parce qu'elle refuse de coopérer aux abeilles qu'on la lynche comme ça. Mais attendez, on entre dans le test. Maintenant, du quand même a tenu la main, mais je me suis fait connue par le nom de Mafo Florini. Et sidérer là comme Mafo ne voulait pas, elle a fait ce qu'elle veut. Ce n'est pas ça, hein? Ou bien je me trompe. Mm-hmm. Peut-être que je me trompe, c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est ça. Aujourd'hui, quand ton Djangui tombe, ils sont tous silencieux, ils mangent dans les grands restaurants. Personne ne t'invite. Ils sont assis dans les grands. On invite qui? On invite celle-là qui te l'avait proprement dite. On invite la poilue qui ne sait pas chanter, qui a fait un concert où elle était assise. Un, deux. On l'invite. Quelqu'un qui ne sait même pas tenir le micro, c'est elle qu'on invite, maman. Mmh. Alors que toi, tu tiens le micro, tu clashes bien. Ou ta patronne. On t'a laissé. On t'a lâché. On est parti inviter celle-là qui ne vaut rien. Ça veut dire que, comme tu dis souvent, Nyama Nyama, tu es à terre. On invite quelqu'un qui n'arrive même pas à tenir le micro. Mmh. Qui n'arrive même pas à se tenir devant les gens pour parler. C'est elle qu'on a invité manger. On t'a jeté comme une serpillère. Ouh. Maman, on aurait dû dépenser. L'argent qu'on a dépensé sur Borosangui, hein? On pouvait payer ton billet d'avion. Tu viens à Paris, on t'honore. Parce que tu as défendu ta patronne plus que Borosangui. Borosangui, c'est qui devant toi? Borosangui, c'est quoi devant la saleté que tu as fait pour ta patronne, maman? Hein? Borosangui, c'est qui? Ils étaient assis là-bas, ils mangeaient dans les grands restaurants devant tes yeux venir. Tu manges, tu te détends, tu es à l'aise. Mm-hmm. Tu es à l'aise. On te laisse, on va payer on va dépenser sur une lassa musicienne, une lassa fille, une sueuse des musiciennes. Après, demain, elle va prendre son micro pour se comparer à Caresse Fosso. Une gars qui ne sait même pas comment on dit bonjour tout le monde, je commence par chanter tel titre. Même donner le titre de sa chanson lui a dépassé. Hey. Elle était perdue. Elle n'a jamais vu. Donc c'est-à-dire qu'une musicienne à part entière, qui ne sait ce qu'est écarté, les écartements de ça. Hey. Des fois on nous insulte. Tu peux entrer chez Afam Afam où on nous insulte. Tu t'installes là-bas, tu dis que je n'ai rien. Voilà. Elle a comme bouffé le jambi pour les ramener sur le papa, il est parti. Uh-huh. Il ne reviendra plus jamais. Uh-huh. Tu as perdu un homme. Moi-même, tu sais que tu as perdu. Et tu vis tous les jours dans les immenses. Ta propre petite soeur. Ta propre petite soeur. Que tu n'es pas mariée. Tu veux aller avec qui tu veux. Aujourd'hui, tu pleures quoi? Celui que tu connais la valeur. Est-ce que quand tu parlais comme ça, tu disais que tu parles au nom de Mafo? Est-ce que quand tu faisais ça, tu disais que tu parles au nom de Mafo? Et elle m'a bloqué partout. Tu étais les gens qui t'ont nourri. T'es rallié, tu pars en fou de toi. J'ai un demandé au parler, vous me devez. Et qui? Je vous dois. Et qui? Est-ce qu'on peut? Faut laisser Tata Lolo tranquille. Elle a fait ce live pour dire que vous voulez qu'on laisse. Moi, je ne laisse pas. Parce que sa patronne a dit ne laisse pas. Elle a dit que moi, je ne laisse pas. Vous voulez qu'on laisse, je ne laisse pas. Hein, écoutez. Je ne laisse pas. Voilà. Elle a comme bouffé le jambi pour le ramener sur le papa, il est parti. Et il ne reviendra plus jamais. Et tu as perdu un homme. Moi-même, tu sais que tu as perdu. Et tu vis tous les jours dans les immenses. Ta propre petite soeur. Ta propre petite soeur. Que tu n'es pas marié. Tu peux aller avec qui tu veux. Aujourd'hui, tu pleures quoi? Ah, ma tête est lancée là aujourd'hui. Celui qui connaît la valeur, quand t'as problème, on laisse. Moi, je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Voilà. Vous voulez qu'on laisse. Moi, je ne laisse pas. Vous là, c'était Mafo et ses abeilles. Il faut que les Camerounais n'entrent pas dans la manipulation. Quand elle a dit que vous voulez qu'on laisse, c'était Mafo et ses abeilles qui étaient en train de lui demander de laisser ce qu'elle est en train de faire à Tata Lolo. Parce que Tata Lolo a des abagos taxes fainants. Laisse Ayamso tranquille. Cherche déjà sur qui tu vas commencer à t'accrocher. Ou dire que oui, on a publié ta famille. Hmm?
des gens comme ça, où on va cette méchanceté? Qu'est-ce que moi je vais faire? Okay. Je n'ai rien fait, rien du tout. Tu n'as rien fait. Tu as insulté Tata Flo Kungang ici. Elle ne t'avait rien fait. Elle est venue commenter sur ma page. Tu lui as traité de tous les noms d'oiseaux. Tu as insulté FP Magina ici. Tu dis que tu ne les as rien fait, maman. Moi, si on m'insulte comme ça. Tu as raison, Marie-Noël. Il faut d'abord, quand elle regarde, elle, au lieu de d'abord de regarder sa paire de fesses, elle part regarder la paire de fesses d'une autre. C'est ça, Nicole. Mbunkena doit bouffer d'abord le Ndjangé. C'est la vérité. Parce que quand elle fait du mal aux gens, elle ne se rend pas compte. Aujourd'hui, elle dit, elle disait, on peut être méchant comme ça. Maman, toi-même, tu as fait la méchanceté. C'est seulement le retour à l'envoyeur. Donc, tu dois t'asseoir, tu fermes ta bouche, tu dois même te faire petit. Tu dois même aller te cacher. Je ne te laisse pas, hein. Je ne te laisse pas. Tu les as lavés. Tata Flo Kunga, ma tata d'amour est venue commenter sur ma page. Un commentaire que c'est moi qui devais me fâcher. J'ai glissé sur ça comme si elle ne voyait pas. Tu es venu répondre parce que tu te crois King Kong. Que c'est toi la reine, la reine des... On les appelle comment? La reine... Tu finis de manger là, tu... Tu manges la chose, tu viens... Ouais, toi là... Je t'insulte pas pour rien. Toi-même, tu les insultes. Tu as la longue bouche, Nicole. Tu fais semblant d'avoir l'orgueil. Tant que ton orgueil, là, même si on ne voit pas ça. Tu as lavé ma faute. Même maintenant, tu es en train de l'insulter. Oh. Ouais, maman. Quand on dit aux gens que être, comment on appelle ça? Être, quand on vient, quand tu viens faire le bloc, il est 22h. Quand tu viens faire le bloc, oui, on parle. Quand tu viens faire le bloc, il faut faire ton bloc. Tu dois, oui, oui, elle est à la, elle a mémoire courte. Elle a vraiment la mémoire courte. Parce que pour quelqu'un qui a insulté Lolo pendant des années, on me dit qu'il ne faut pas qu'on parle de Lolo, qu'il faut qu'on laisse. Il faut qu'on laisse pour qu'elle parle. Non. Quand je vous dis que ces gens-là, regardez comment Gringa, regardez comment elle parle. Maître, regardez. Si tu fais les grimaces, c'est comme ça. C'est comme ça que ma tempête fait. Regardez. À la cuisine. Et c'est elle qui vient dire aux gens que je veux faire mon réel avec. Quand je veux faire mon réel avec, attendez ce que je veux dire dans le réel là. Elle-même, elle ne veut pas aimer. Tu es grave, Nancy. Ah, pourquoi je suis grave, Achille? Pourquoi je suis grave? Je suis pas grave. J'ai dit que la vérité, non. Quand tu la vois, elle fait les grimaces. Alors qu'elle est en direct, hein. Mais quand elle pousse, tu as l'impression que la constipation. La constipation, lui, est tellement forte. Maman, il faut qu'elle ne pas dormir. Je prends la route tout le matin. Je 7h, je dois être à la route. C'est Lance Angeles. Bonne fête à toi. Achille, tu rigoles quoi? Moi, j'ai dit la vérité. Ma tam est constipée. Il faut que parfois, il faut dire la vérité. Oui, oui. Parfois, il faut dire la vérité aux gens. Et Nicole Ketcha, ne dites pas qu'on est fixé, on est derrière Nicole Ketcha. Nicole Ketcha doit, comment, Bumkena, Isaac doit bouffer ce Ndjangé-là. Parce que si ça s'éteint vite, quand on prend le volant, il faut bien dormir. Il faut avoir 8 heures de sommeil. Sinon, le matin, et comme vous savez maintenant que le soleil, le jour ne se lève pas vite. Donc, je vais aller doucement, doucement. Quand ça va commencer à s'élever, allez, je fonce. Donc, je vous aime, je vous adore et je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Et merci à la... Comment on appelle ça? Au follower de ma soeur qui est venue me donner 500 étoiles. Merci à toi. Merci, merci, merci mille fois. Merci.
Donc, je vous dis à demain. Je vous souhaite bonne nuit à tout le monde. Ceux qui seront là demain pour m'accompagner jusqu'à que j'arrive sur Paris, vraiment, ça serait, vous serez toujours la bienvenue. Parce que parfois, quand on fait la route, j'ai 3h30 de route. Mais je ne veux pas allumer mon téléphone d'abord. Il faut que je fasse, je peux faire allumer mon téléphone quand il fait jour. La nuit, c'est très risqué et très, très, et s'il pleut, c'est un peu dangereux. Donc, je vais allumer mon téléphone et que ceux qui m'aiment, ceux qui m'adorent, ceux qui sont vraiment les Nancy Gang qui m'adorent, il faut venir, comment dire, me tenir compagnie jusqu'à la maison. Comment on appelle ça? Je risque d'aller en Côte d'Azur chez mon mari. Bonne nuit, ma soeur. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Marie-Noël. Suzy, je t'aime aussi. Bisous. Bonne nuit à vous tous. Soyez, je vous aime comme vous m'aimez. Vous m'aimez. Prenez-moi tout moi comme ça, là. Il n'y a pas une autre derrière. Moi, je suis, que tu m'aimes, je t'aime. Tu me détestes, je t'aime toujours, mais d'une autre manière. C'est comme ça. Donc, ceux qui m'aiment beaucoup, venez ma. Je sais que les gens vont aller au travail demain. Nous sommes la nuit. Donc, nous sommes une famille. C'est mon comme ça. C'est mon comme ça. Il ne faut que pas me coucher. Et avec les chambres d'autres, c'est plusieurs déjà. Je dois redescendre. Si on n'a pas les réservations, d'ici là, je dois descendre le 19. Parce que le 19, on est complet. Mais je ne sais pas, je ne crois pas que mon mari serait là. Mais je serai là seule. Donc, si les gens, on veut le petit déjeuner, il faut que j'assure quand mon mari n'est pas là. Donc, je dois prendre la route demain matin. Et je vous remercie. Monica Jazz, ma fille, ma manette. Donc, bonne nuit, ma fille. Tu rigoles. Bonne nuit, ma fille. Que le Seigneur nous bénisse. On se voit demain. Et dites à Rose 237 que j'ai envie de la voir. Mais comme moi, je n'ai pas le numéro des gens. Et parfois, sur les inbox et Messenger, je n'ai pas. Donc, je ne peux pas appeler les gens à Messenger. Moi, si elle peut m'appeler, ça m'arrangerait. Parce que vraiment, en dehors du direct, bien sûr. Je n'ai pas son numéro de téléphone. Il y a des gens qui... Je parle au numéro de téléphone de la Rose 237. La marque des roses. Je n'ai pas. Donc, allez. Je vais me coucher. Bonne soirée à tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Plein de gros bisous. Merci à tout le monde qui a soutenu la page. Merci aux followers de ma soeur chérie qui est venue me donner les étoiles. Merci. Partagez la vidéo aussi sur Nancy Gang. Partagez cette vidéo. Vous ne partagez pas mes vidéos sur Nancy Gang. Quand je veux arriver là-bas, je veux faire le ménage. Vous voyez, non? Quand je veux arriver sur Nancy Gang, je veux faire le ménage. Ah, d'accord. Merci, ma chérie. Je veux faire le ménage parce que... Regarde-moi celle-là. Aïe! Maman, il y a quelqu'un qui est venu me mettre une tête. Moi et ma soeur, nous, on est une place. Et abonnez-vous. J'ai dit, on doit atteindre 100 000 abonnés. Donc, abonnez-vous massivement sur la page de Nancy Beauté Beauty. Massivement. Abonnez-vous massivement sur la page de Nancy Beauté Beauty. C'est très, 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 très important. La famille n'a pas cessé d'être ouverte.